Ok. T'es posé sur le live à Noé. Ouais. Tu sais toujours pas où t'as mis les pieds. Mmh. Mais tu sais déjà que tu vas kiffer. Yeah. Même s'il a un peu détraqué. Ok. Tu te demandes c'est qui j'ai mis. Oh. Bien sûr, c'est moi, c'est Speedy. Mmh. J'ai bien sûr un talent inné. Yeah. Tu hésites carrément dans les. Mmh. Les modérateurs sont sûrs. Ok. Parce que j'ai baisé l'os. Ok. Je suis désolé pour ce couplet. Mmh. T'avais qu'à pas me charrier. Yeah. Je vais pas tarder à m'éclipser. Mmh. Je vais même te demander de t'abonner. Ok. En YouTube Insta en description. Mmh. Reviens nous nettoyer le vieux. Okay. Les vocalises sont intenses. Yeah. Je sais déjà que tu vas finir en transe. Yeah. Bref, sur ce, moi je vais te laisser. Mm-hmm. N'hésite pas à aller tresser la poignée. Yeah. Tout ce que je chante est compliqué. Mm-hmm. Tu arriveras même pas à me faire la moitié. Ouais. Faut atteindre les 1 minute mm-hmm. pour pouvoir payer la hutte. Mm-hmm. Je te dis, tu joues pas ici, merde. Ouais. Hier, j'ai mangé ta grand-mère. Ouais. Ok. Ouais, t'inquiète, je sais ce que je fais, gros. T'inquiète. Ok. T'es posé sur le live à Noé. Ouais. Tu sais toujours pas où t'as mis les pieds. Mmh. Mais tu sais déjà que tu vas kiffer. Yeah. Même s'il a un peu détraqué. Ok. Tu te demandes c'est qui j'ai mis. Oh. Bien sûr, c'est moi, c'est Speedy. Mmh. J'ai bien sûr un talent inné. Yeah. Tu hésites carrément dans les. Mmh. Les modérateurs sont sûrs. Ok. Parce que j'ai baisé l'os. Ok. Je suis désolé pour ce couplet. Mmh. T'avais qu'à pas me charrier. Yeah. Je vais pas tarder à m'éclipser. Mmh. Je vais même te demander de t'abonner. Ok. En YouTube Insta en description. Mmh. Reviens nous nettoyer le vieux. Okay. Les vocalises sont intenses. Yeah. Je sais déjà que tu vas finir en transe. Yeah. Bref, sur ce, moi je vais te laisser. Mmh. N'hésite pas à aller tresser la poignée. Yeah. Tout ce que je chante est compliqué. Mmh. Tu arriveras même pas à me faire la moitié. Ouais. Faut atteindre les 1 minute mmh. pour pouvoir payer la hutte. Mmh. Je te dis, tu joues pas ici, merde. Ouais. Hier, j'ai mangé ta grand-mère. Ouais. Ok. Ouais, t'inquiète, je sais ce que je fais, gros. T'inquiète. Ok. T'es posé sur le live à Noé. Ouais. Tu sais toujours pas où t'as mis les pieds. Mmh. Mais tu sais déjà que tu vas kiffer. Yeah. Même s'il a un peu détraqué. Ok. Tu te demandes c'est qui j'ai mis. Oh. Bien sûr, c'est moi, c'est Speedy. Pourquoi ça s'affiche pas là? C'est quoi ce bordel? Ouais, les frères, comment il va, Urbi? Il est déjà là. J'ai la voix complètement en cul. Les, mais on est présent finalement, on est là quand même pour assurer le live. Et vraiment, et j'ai une voix de fils de chien, frère, c'est infernal. Genre vraiment, j'ai l'impression, j'ai une voix de fumeur, frère. Ça se voit, le gars, tu sais, il est drogué jusqu'au fond, frère. Mais ouais, là, en fait, genre, pour que j'ai une voix à peu près normale, je parle de manière grave comme ça. Et là, du coup, on dirait. Enfin, mais en fait, je force sur ma voix, du coup, c'est ultra bizarre. Donc, on va pas faire ça. On va. Déjà, régler le problème de la caméra, là, pour que ça s'affiche pas. Sinon, comment tu vas, Urbi? Comment tu vas? Sinon. Aujourd'hui, Resident Evil 4, on va enfin couper. La corde de Adar. Ah, daté quand même, hein. Voilà. Ça commence à dater et du coup, surtout j'ai payé 10€ le DLC. On va le finir, hein. Voilà. On va le finir ce DLC de merde. Non, en vrai, il est bien, en vrai. On dit de merde, mais c'est parce que ça fait tellement longtemps d'être dessus. Vas-y, j'affiche le jeu. Du coup, normalement, c'est censé bien fonctionner, étant donné que du coup, j'ai le nouveau PC, etc. Donc, normalement, il n'est pas censé y avoir trop de chutes d'FPS. Mais après, c'est Resident Evil, hein, donc c'est pas normal, c'est pas de la merde le jeu, tu vois. Donc déjà, on va aller dans options, graphisme, on va mettre pré-réglage et on va mettre en recommandé. Framerate, ouais, les 60 et tout. Donc là, j'ai mis en recommandé parce que généralement, ils mettent des trucs bien, tu vois. Notre voix... pourquoi vous avez... Enfin, en fait, personne n'a le son, genre, j'ai pas le son et vous avez pas le son. Peut-être parce que mon casque était juste éteint. Et du coup, voilà, normalement vous avez le son. Ok, c'est bon. Du coup, on est reparti sur la campagne de Ada. J'ai la voix complètement baisée, mais on est habitué finalement. Comment est Valoni? Il a fait le combo d'emoji Mog. Alors, on va aller dans l'option, on va refaire pareil qu'avant, même si normalement ça s'est gardé. Recommandé, ouais. Donc c'est parti les frères, j'espère que ça va pas trop bugger pour vous. Si ça bug, j'essaierai de baisser un peu les graphismes du live, mais
La dernière fois, on avait essayé, ça passait. Mais la dernière fois, c'était pas en 1080 et tout. Ça fait 2 heures, je suis en train de mi-wing. C'est triste, hein, vraiment. C'est... Putain. Il y a combien de chapitres d'ailleurs? Il y en a 8. Donc là, on est au chapitre 4, donc on est moitié. Non, ouais, ça va. Si on fait... Donc ça veut dire qu'en gros, dans 4 lives, on a fini. Parce que si on fait un chapitre par live, bon... On fait jamais un chapitre par live, hein. Ok, voilà. Ah, c'est vrai qu'il y a Louis. Merde, attends, pourquoi je suis en... Ouais, bon, j'étais même pas sur le jeu. C'est vrai que là, bon, là, il va y avoir une cinématique et tout. Tous les deux chapitres, il y a un boss. Comment je fais pour... Ok. Ouais, donc j'ai limité le jeu à 60 FPS parce que sinon ça a tout bugué. Hein. La vie est pleine d'imprévus, non? T'es fâché? Ok, t'es fâché. Bon, il y a juste un petit truc que je dois faire avant de récupérer l'ombre. On n'avait pas vu la cinématique en entier la dernière fois qu'on avait testé. On n'est pas en train de négocier, Louis, alors fais bien gaffe à ce que tu veux. C'est une femme de caractère. Hein. Y a Putain, on dirait un enculé avec cette voix. Je vais pas parler du live en fait. Tu me connais? Je suis un bon samaritain. Laisse-moi deviner. Léon? Monte le son. Oui, c'est ça. Ok, c'est bon, c'est fait. Par contre, pourquoi des fois ça me met en. Léon et cette jeune femme, ils sont tous les deux infectés. Il leur faut ce médoc. Il ralentit l'infection. Et je sais qu'il marche. Je l'ai utilisé. Sur moi-même. Donc... Et en quoi ça peut m'intéresser? Parce que toi aussi t'es infecté. Ça fait des années que j'étudie ça. Putain, il est au courant. Et je peux voir les symptômes apparaître dans tes yeux. Putain, il est... Bon, j'avoue que ça se voit quand même. Enfin... Déjà ressentir les effets. Pas obligé, Enfin, je veux dire, c'est... Genre, tout le monde voit qu'elle est infectée, quoi. Il y a un putain d'araignée dans son œil. Juste, fais-moi confiance. Je suis un professionnel, j'ai étudié ça pendant des années. Moi, j'ai pas étudié pendant une seule seconde et je peux dire qu'elle est infectée, donc. Ok, mais là. Donc elle a un cancer des yeux. On s'occupe de ça. Et ensuite de l'ombre. Je vais appeler Léon. C'est ta dernière chance, Louis. C'est ta dernière chance, fais gaffe. The last chance, Louis. Je regarde le live, mais ouais, en fait, c'est fluide, c'est incroyable. Et là, le sida des yeux. Merde, il faut que je me rappelle les touches. Parce que j'ai un petit cadeau pour... un médoc qui... C'est comment déjà le couteau? C'est espace? Problème. Non, c'est quoi déjà le couteau? Clic droit? Eh bien, disons la cour intérieure. Ah non, mais c'est parce qu'il y a une cinématique. On se voit là-bas. Ciao. Cour intérieure du château, il a dit. On y va. Et on y va juste... Ok, d'accord. Les dames d'abord. Alt et F4, ah oui, ok, d'accord. Ok, vas-y, je ferai ça en combat et tout. Je peux vraiment pas passer. Je peux obtenir le médoc. Carte mise à jour. C'est quoi déjà la carte d'enjeu? C'est Shift, non? C'est quoi, c'est J? Je me souviens plus, c'est pas M, je crois. C'est quoi déjà la touche? Putain, je suis une merde. Je me souviens plus de aucune touche. C'est T, Y, G, H. Donc I, c'est pour l'inventaire, bon, ça, c'est à peu près normal. Regarde les touches. En effet, c'est peut-être une bonne solution, Loni. Une fois qu'il dit quelque chose qui peut nous aider. Pas attribution des touches ou un truc comme ça? Vas-y. Ah, c'est V la carte. Okay. Ah oui, puis tab aussi la manette. Est-ce qu'on a M qui est pris par un truc ou pas? Non.
On va mettre M en, pour la carte, ce sera mieux. Par contre, c'est où? Non, c'est virgule aussi. C'est quoi ces touches de con là? Ok, d'accord. Du coup, on doit aller là. Ah, mais en fait, il ouvre la trappe. L'abruti, frère. Ok. On continue de se peindre. Il y a un laboratoire caché en bas. Mon matos devrait y être. Très bien, et mon médicament aussi. Oui, c'est shift pour utiliser le grappin. Je ne veux pas monter en fait, je vais juste casser ça. Du coup, le couteau, c'est quoi? C'est pas espace le couteau? J'ai peut-être juste pas de couteau. Oh, c'est ça, hein. Il n'y a juste pas de couteau. On va recharger toutes les armes. Voilà, celles qu'on peut recharger. Ouais. Ok, du coup, ça on s'en bat les couilles, on fait ça. Petit lavier de Minecraft. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi, Ada? De la bouffe pour parasites? Excusez-moi, mais là, c'était... Ces mots, on avait l'impression, vraiment, elle parlait comme une IA, genre. Il y a un mec. Il y a quelque chose qui brûle. On sera vite fixé. Il y a un mec? Ada, ils sont là. Il est où? Ah mais il est déjà en bas en train de les... Ah oui. Ils sont chiens avec leur bouclier là, moi j'ai plus d'armes frère. Ça marche pas si j'en suis dans les jambes là? Lui il est con. On va monter l'échelle. Puis on va les sniper d'en haut. Ah oui, je suis débile, regarde. Ah mais ils sont intelligents, ils mettent leur bouclier vers le haut. Bon lui il est tout sauf intelligent du coup. De balle. Non. Il est où lui? Vas-y, viens. On a une grenade, je crois. Non, je m'en fous de ça. Ok, ça c'est fait. Ah, il y avait que eux. Du coup, en vrai, ça va. Ah, par contre, on a vraiment zéro balle, genre. C'est... On avait fait quoi la dernière fois pour ne plus avoir rien comme ça? Ah, c'était les ogres. Si, je me souviens, c'était les big ogres, même qu'on les avait battus en 10 FPS, je me souviens. Il y a rien, là. N'oubliez pas que Resident Evil, c'est le loot avant tout, genre. Oh non, ambiance red light là. Non, non, non. Faut absolument qu'on récupère le médicament. Louis, laisse tomber. Louis. Mais laisse-le y aller s'il veut. Hein. Sérieusement. Oui, la daronne de Louis ou quoi? Ne respire pas la fumée. Ah, il faut maintenir. Trop tard, hein. Et respire la fumée. Vas-y, Ada, frère. Wesh. Il est passé par où?
c'est bon, il est là. Donc, Louis, il est en train de crever et tout, mais Ada... elle a un masque à gaz automatique, genre. Le gars, il se fait... Si tu tiens à tout prix à mourir, attends au moins de m'avoir donné l'ombre. Y'a plus rien. Tout a cramé. Pourquoi c'est si important pour toi? Y'a des choses que je dois réparer. Mais maintenant, c'est impossible. Tout est foutu. Je peux plus rien faire pour eux. Pour qui? Pour les mecs du village? Refais-en. Tu en es capable, alors fais-le. C'est peut-être jouable. Tous les ingrédients sont là, dans le château. Il me faut un peu de temps. Mais je te promets que t'auras l'ombre. D'accord, on y va. Fais 20 fois il dit ça. Hein. Fais 20 fois il dit ça. Moi je pense son coup de chialer comme une salope là. Je pense que c'est un truc pour nous duper hein, très clairement. Je ne peux plus rien faire pour eux. Du coup Ada vu qu'elle est un peu con, elle a fait ah d'accord vas-y. Par ici. Attends. Toi t'as pas de pistolet apparemment. Je cherche même pas de balles enculé. Il y avait El Gigante à battre. Je sais plus s'ils s'appelaient comme ça, bah c'était les ogres. Pour qui tu travailles en fait? Au mieux que tu le saches pas. Crois-moi. Pour Whiskas. Tu peux bosser pour le diable, je m'en fous. Du moment que tu me fais sortir d'ici. Efficace pour monter les échelles, frère. Je vais ouvrir là. Hein? J'ai plus la clé. Oui, putain. Et merde. J'ai dû la faire tomber. Ouais, bah en courant dans les flammes comme un abruti, je pense. Mais on va pas devoir retourner en arrière pour chercher sa clé quand même. Dis-moi, il va dire ouais, on va prendre un autre chemin ou je sais pas quoi. Ah non, c'est bon. Dès que tu pouvais défoncer les portes comme ça. Ouais. Ok, c'est avec les moyens du bord, mais ça devrait marcher. Ada, trouve ces ingrédients. Et alors peut-être que je pourrais refaire le médoc. On a peu de temps. Vas-y, trouve-les. Moi, je vais chercher l'ambre. On croise les doigts. Il y a 4 ingrédients, frère. Encre rouge, bouteille dorée, papillon bleu. Imagine que... à chaque ingrédient, il va y avoir un boss qui va garder le truc. Les minéraux contenus... ouais, ok. Chacun de ces éléments possède la propriété dont j'ai besoin. En extrayant les ingrédients et en les mélangeant avec les produits chimiques que j'ai sous la main, ça devrait marcher. Le mec a pris le temps d'écrire ça. En fait, il aurait pas pu écrire genre juste les ingrédients, frère. Bonne chance. Toi aussi. Je croyais que c'est lui qui partait, mais non, en fait, là, c'est nous qui devons partir. Ok, d'accord. Papillon, encre, rouge, et je sais pas quoi. Salut, mon... Attends, il faut se baisser. Bon, c'est vrai qu'on peut les tuer discrètement. Mais on n'a pas de couteau, putain. Bon. Non mais c'est bon, bâtard là de quoi, frère. Ara, ton laveur. Raccoon, ça doit être mon dessin. Et ça que tu peux te... ouais, ça j'ai oublié.
Pourquoi ils disent Colasson là? Ils se prennent pour Louis Fancy ou quoi? J'ai reçu quelques nouveautés qui devraient t'intéresser. Ouais, toi tu vas bien m'aider toi. Tu vas réparer mon couteau, mon gars. J'ai réussi à mettre la main sur quelques raretés étrangères. Tu lui dis étrangère. Et pour le coup, ça marche, hein. Allez, 4000 balles pour réparer un putain de couteau. Ouh, bah c'est bon, c'est qui ce fils de pute là? Alors, j'avais rien à mettre. En fait, on a rien, j'ai remarqué. Attends, vendre, parce qu'on a plein de trucs à vendre. Bah oui, voilà. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Blouson bombardier. Ah mais c'est le blouson de Léon. Bah les couilles, on le vend. Ah c'est quoi ça? Blouson restant à vendre pour les requêtes retournement de veste 1. Ah c'était une quête. On va le vendre. Après tout le reste on va garder. Je regarde, mais ouais, du coup. Je savais que je pouvais compter sur toi. On s'est remis bien en thune. Il donne quoi comme arme? Ah, le Red Nine, c'est pas le truc qui est bien ça? Essayer une nouvelle arme étrangère. Ça pourrait bien te sauver la vie, tu sais. Bon, déjà, on va prendre ça. Tiens, étrangère. Par contre, il incite vraiment sur le étrangère. Je crois connaître ses penchants politiques, lui, tu vois. Le Red Nine, c'est pas le pistolet qui était fort, Lonit m'avait dit, ouais, il est trop fort et tout. C'est quoi ça? Ah, si, ah oui, ça, on va aller prendre ça. C'est le genre de truc que je ne propose qu'à mes meilleurs clients. Et après, le reste... Vends la clé. Ça? Mais normalement, il faut pas que ça soit coché pour dire que t'en as plus besoin. Babiole, ça n'a pas d'importance. Non, on en a encore besoin de ça. Par contre, c'est nous qui le décidons. Ah, bien joué. T'as prouvé que t'étais digne de confiance. Ah, on a eu 7 spinels. Ah oui, ça sert à quoi les spinels au fait, attends. Oh, fait apparaître des herbes vertes plus souvent. Ferraille grande plus souvent et herbe rouge. Et ferraille petite. Si c'est dans des trucs à vendre, c'est que tu dois vendre et que tu peux plus utiliser. Ah d'accord. 2500 balles pour une clé. Hein. De faire affaire avec toi. Bon du coup en vrai avec les spinels, le plus intéressant c'est quoi? Tu veux savoir où on a déniché ces merveilles? Il vaut mieux pas que tu le saches. Genre en vrai, le meilleur, c'est quoi pour avec les spinels? Parce que j'en ai 7. Manette vintage. Ouais, les herbes vertes, c'est vrai que c'est important. Ça, c'est une valeur sûre. Mais genre, la carte au trésor, c'est bien ou c'est à chier, genre? Bon, du coup, au pire, on verra plus tard. Modifier. Ah oui, ça c'est pour bon. Armes sont entre en vrai, le couteau mains. C'est bon. Tu peux me faire confiance. Ah, le fusil à pompe, par contre, ça, on va peut-être l'améliorer. Ça coûte combien la puissance? 20 000. Pff, chiant, frère. Il y a quoi comme arme? On achète le Red Nine ou pas, Loni? Ma marchandise est en parfait état. Comment tu vas, Lola? T'as vu, Lola, ma voix? Comment elle pue la merde? C'est infernal, ça me casse les couilles. Du coup, on prend le Red Nine ou pas? On améliore le fusil, parce que c'est soit on améliore le pompe, soit on prend le Red Nine. On fait quoi en vrai? C'est quoi le meilleur? Améliorer le pompe pour qu'il fasse plus mal ou le Red Nine? Quoi le meilleur en vrai? Parce que si le Red Nine il est bien, mais genre le améliorer le pompe c'est mieux, j'améliore le pompe, hein, je prends pas une arme en plus, ce qui sert à rien. C'est une crosse aussi pour le truc comme ça. Alors t'as rien
avec qui te plaisait, étranger. Attends, comparer arme, attends. Voilà, alors. En gros, le Renan, il fait plus mal. Il fait plus mal, mais en gros, toutes les autres stats, il est moins bien. Mais c'est parce que le pistolet, il est amélioré, non? Je sais plus, je crois que je l'avais amélioré, le pistolet. Moi, je te dis, vu le prochain boss, vaut mieux avoir beaucoup de balles et que tes armes mettent beaucoup de dégâts. D'accord, Loni, mais du coup, tu m'as vraiment pas dit, du coup, c'était quoi le meilleur? Putain. C'est le boss le plus dur de Resident Evil 4. Bon, de toute façon, on va prendre le lance-roquette, hein, s'il est trop dur. Hein. En quoi reviens quand tu veux, surtout. Vas-y, on va rien prendre. Hein. Ah merde, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, il est venu, mais il s'est dit, ouais, non. On va pas s'avancer trop près, tu vois. Il a deux phases. Bah, on utilisera sur la phase 2. Ça va, parce qu'on a des balles en tout, là. Ah, on a des balles en tout. Mais vite fait. Ah oui, attends, d'ailleurs. Ah, et voilà. Ah, en vrai, ça pourrait être utile, en vrai. Et après, on peut faire quoi? Ouais, c'est pour voir, genre, grenade aveuglante. Ouais, c'est quoi? On va en faire une, faut toujours en avoir minimum une sur soi. Attends, on a le couteau, c'est vrai, attends. Il m'a pas vu. Ok. Ça me fait penser que je suis... Que, quoi, il faut que je termine Resident Evil 4, mais vas-y, flemme, je suis bloqué. T'es bloqué où? Bon, là, je fais la campagne Ada Wong. Tu sais, le truc qui coûte 10 balles. Vu que c'est Ada Wong, ça va. Donc, il faut inverser celui-là. Celui-là. Et bah en fait, on a le mauvais en fait. Il faut un rouge. Moi, je le finis aussi. Ah, faut que je finisse aussi, mais en professionnel, mais flemme. Ah, ils ont deux faces, putain. Ça peut être lui là. Ça peut être ça. Pas bon comme ça? Ah non, là il faut un truc. Ah merde, du coup je vais faire quoi? Celui-là là. Ah, comme ça. Ok. Ouais, alors que je sais pas, c'est un genre de machin accroché au plafond, il faut que je l'esquive, mais ça esquive pas sa mère. Pourquoi faire simple? Mais je sais pas comment expliquer, moi. Bah, Loni, il peut t'expliquer en vrai, je pense. Au cas où quelqu'un aurait besoin d'encre, il suffit de tirer. 1, 2, 3. Donc en gros, il faut tirer sur le bouclier, d'accord. Ok, donc. Putain, attends, c'est lequel? Il manque un bouclier. Il manque un shield. Ah mais attends, il faut regarder les symboles. Genre le premier, c'en est un avec
Ok, le deuxième, c'est... En fait, le deuxième et le troisième, on voit pas, en fait. Oh, alors... Je crois que le premier, c'est lui. Dis le chapitre. J'ai oublié, ça date un peu. Spoil à gauche de la cheminée. Merci. C'est sûrement là. L'encre rouge, ouais. Là, ouvrir la porte, il va y avoir Mendes, etc. Enfin, on connaît. Non, là, on l'a tué, Mendes. Enfin, Léon l'a tué. Ah, c'est la fameuse scène. La fameuse scène où Léon est en mode what has happened? Je conseille de ne pas bouger, Léon. Ce serait bête d'utiliser ça. Pas vrai? Eh ben, précisant, j'aurais espéré un meilleur accueil. Ada. T'as pas l'air surpris. Intéressant. Gros couteau. Et c'est le couteau la prochaine fois. C'est mieux pour le corps à corps. Pas mal du tout. Tu m'impressionnes. Alors tu travailles pour qui cette fois? Oh, Léon. Tu sais bien que je vais pas te répondre. Laisse la fille. Ouais, en vrai, Léon, c'est un putain de flic, frère. Il pourrait arriver et lui dire ah, tu me le dis pas, je t'empale, enfin, je sais pas. Mais non. Vu qu'elle a un big fat ass, il fait rien. Tu crois que je vais abandonner si facilement? Je vois. Et si on continuait cette discussion une autre fois? Ah, bref, le jeu, il est quand même beau, hein, graphiquement. Genre moi je dis pourquoi ils ont jamais fait un film genre gros budget. Tu prends les mêmes acteurs, tu sais, qui font les persos en CGI là. À plus tard, Léon. Les mêmes acteurs, enfin. Oui, les mêmes acteurs, c'est des acteurs. Je crois que c'est pas des acteurs, ils ont les capteurs et ils font les mouvements des persos, etc. Sinon tu prends les mêmes acteurs. Bon après ça se trouve ils sont nuls en acting. Parce que je veux dire, ça se trouve ils sont bien pour truc de jeux vidéo, mais ça se trouve en acteur, ils pueraient la merde, ils seraient nuls, tu vois, mais. Donc s'il y a cette musique, c'est-à-dire qu'il y a des appâts Garlos. Ah, parce que j'ai l'impression que nous on va quand même beaucoup plus vite que Léon, juste parce qu'on a un grappin. Pourquoi Léon n'a pas un grappin? Faut lui mettre l'encre? Ah non, il faut le... Oh non! On va devoir affronter le mec rouge là! Putain, on va devoir affronter le mec rouge. Ouais, je me souviens de cet endroit de con là. Là on va lever ça, il va y avoir le mec rouge. Sur le gong et la porte. Si voilà, c'est espace. Espace et tu fais ça, ok. Ah oui, mais c'est vrai qu'on n'avait pas le... Donc là, c'est le snake. Et le... Non, le snake, il est où? Le snake, il est là. Alors, les pigeons, il y a un pigeon là, un pigeon là, un pigeon... Pigeon là. Oh non, yes, non. On n'affronte pas les appâts Garlos, ok, c'est bon. Merde. Je fais quoi là? Je fais comment? Faut que je m'accroupis? Oh, il fallait que j'aille dans le trou, je suis mort. Aïe aïe aïe, ouais. Nice. Il fallait que j'aille dans le trou, c'était évident. C'était évident. Mais ouais.
Tu veux faire le chemin à l'envers. Ah non, je dois tirer sur les pigeons encore là. Ah merde, moi je croyais qu'il fallait aller dans le trou. Ah merde. Oh non, on spawn là en plus, mais je m'en bats les couilles de lui. Pourquoi, mais je le sens mal. Bon, on veut pas commencer avant que le truc démarre, genre. Alors, du coup, les pigeons. Y'a un pigeon là, pigeon là, pigeon là. Toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Ah merde, c'est pas les mêmes trucs. C'est ça. Ça. Et c'est quoi ça? Ok, c'est bon. Ouvre-toi, ouvre-toi. Pêche. Ok, c'est bon. Et là, les deux snakes. Snake là. Snake où ça? Là. Merde, ça a annulé le snake. Ouvre-toi, mon pote. Mais ça. On aurait eu Léon, ça se serait mal passé, hein. Attends, quelle difficulté, je suis en normal. Elle aurait pas juste pu prendre son bras et le baisser, genre. C'est des trucs où ça me fait rire à chaque fois. Oh non, il y a encore des armuriers. Oh non, il y a des armuriers, frère. Ils vont clairement se mettre à bouger, ces armuriers, tu vois. Deuxième ingrédient qui est clairement là. Non, ça c'est pour le marchand. Pour le marchand de bonheur. Bon, t'es sûr? Oh, Abraham Lincoln. Karl Marx, etc. Tu vois. Et qui t'occupe de la merde. Ah, c'est pas les lumières, c'est tout. Oh wesh. Bouge. Bouge l'armurier de merde. Ok. Oh putain sa mère. Ouah, ils font trop mal leur mère. Ils font trop mal. On va combiner plante rouge et plante... Comment on fait déjà? Voilà, ça tu m'utilises ça directement. Et en plus de ça, tu me prends... Ah mais j'en ai deux. C'est gagné du coup. Hop, crevé. Une spinelle. Mais voilà. J'aurais juste pu envoyer la grenade direct. Mais il y en a d'autres, je crois, d'armurier. Ah non, lui, c'est pas réveillé. Eux ils vont se réveiller, c'est sûr. Pour une putain de clé que je n'ai pas. Limite tu me fais un partage d'écran, je les mange, vu que le mot en U est ban. Quoi? Limite tu me fais un partage d'écran. Partage d'écran. Encore un truc de vin là? Il y a un armurier là. Bon, je vais lancer une grenade dans sa gueule. Elle est en train de jouer en même temps, frère. Mais je fais quoi là? Ah, il faut que... Ah, mais non, mais attends, il faut que je reprenne la bouteille, je suis con. Vu que je suis passé, je peux reprendre la bouteille. Oh, nique ta mère, frère. Pourquoi j'ai cet arc déjà? Pourquoi j'ai cet arc de merde dans ma main? Il est chiant lui, je suis en train d'user mes balles pour lui, sérieusement. Mais j'ai plus de balles là!
Oh, il est chiant. J'ai usé toutes mes balles sur lui. J'aurais dû lui envoyer la grenade directe. Dis chiant. Donc là, je reprends la bouteille. Donc là, ça va s'activer. Ok. Je crois savoir ce qui m'attend. Ouais, des big armuriers qui vont casser les couilles. Bon, on va se faire... Tu sais quoi ? Déjà, halt pour trier le truc. On fait déjà ça. Et on va direct se faire des trucs explosifs, là, parce que... Grenade aveuglante. Voilà, parce qu'ils vont casser les couilles. J'ai envie de les one-shot tous. On va juste jouer avec eux. Hop. Recharge le gun. On le prend pas tout de suite. Voilà, d'abord on prend tout ce qu'il y a, tu vois. Voilà. Prends bien tout. Là, il y a la bouteille, mais du coup, ça ne sert à rien. Ah, mais ok, on a l'autre bouteille. D'accord. Donc là, les armuriers. Bingo. Il n'y a que deux. Oh, je casse la table, je suis trop fort, frère. Il se prend pour le main character. Allez, va te laver, mon gars. Je suis un gros con. Carrément, je réessaie. Ah ouais, mais putain. Ah non, automatique, attends. Ouais, mais non, c'est trop loin. Bah ouais, mais gros, je suis débile. Genre, il fallait leur tirer leur casque avant, en fait. Je suis un gros con. Vas-y, genre, ils sont en train d'enculer mon couteau, frère. Genre, il m'a mis le coup. La mêlée. Voilà, du coup, j'imagine que je n'ai pas assez pour me faire une grenade aveuglante. Oh, si, sa mère. Et là, vous dégagez, les frérots. Vous dégagez. Hop. Rassemblez-vous, please. Ils sont morts tous les deux, normalement. Ils font quoi, eux? Non, mais il y en a plusieurs! Oh, ils sont relous. Eh, tu sais quoi? Vas-y, j'ai pas leur temps. Frère. Je vais te faire enculer, frère. Ah, il est mort. What? Je l'ai one shot? Oh, les bâtards. Et wesh! Mais c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie là? Le couteau est presque fichu. Bon, vas-y, frère. Mais vas-y! Y'en a un qui me tire dessus de là, frère. Va te faire enculer. Plus de couteau. Tu es sec. Va te faire enculer, frère. Il est trop chiant. Ah, je peux passer derrière. C'est quoi ça? Je m'en bats les couilles, frère. Oh putain, bah ouais, les têtes de neuil sont déjà là, frère. Ils me prennent des deux côtés. Et regarde-les, ces têtes de neuil là-haut, là. Plus rien. Attends, j'ai quoi comme... Attends. Attends, je vais me concentrer parce que là, ça me casse les couilles. J'ai quoi comme arme? J'ai une vieille mitraillette à la con qui sert à rien. J'ai un sniper. En vrai, avec le sniper, je peux essayer de baiser les autres qui me tirent dessus, là, à distance. Tu vois ces fils de pute là. J'ai raté. Évidemment. Ok, nice. Et lui là. Fais attention aux armuriers. Allez, nique-toi. Ok, là ça va être intéressant. Là on reprend le pompe. Ah mais ils reviennent. Ok, ça sert à rien de débuter en fait. Et tu dégages.
Et je te one tap. Vas-y. Allez, dégage. Faut que je fasse pareil. Ah, c'est quoi, mitraillette, elle est où la mitraillette? Mitraillette dans leur mère. Ok, nice. Ok, attends, hop. Ok, maintenant on prend le pompe. Le pompe. Tu dégages. Et la mitraillette pour les finir. Allez, nique-toi. J'ai plus de balles, nice, trop bien. Ok, nice, il est mort. C'est pas fini, il en reste encore. Non? Attends, je vais me cacher là, frère, parce que je vais mourir à cause des fils de pute qui me tirent dessus, frère. Voilà pourquoi j'ai décidé de jouer à ça, moi. Pourquoi j'ai décidé de jouer à ça? J'ai oublié le skin de Léon de Resident Evil 2. Je vais te lancer le jeu, j'avais oublié, j'avais le skin de Léon Resident Evil 2 que je galérais à avoir. Je flexe pas, mais en mercenaire, je suis top 4900 avec Ada en robe. En robe. Faut juste des enculés parce que ils sont saoulants. Elle est morte, vas-y. Bon. Ok, c'est sympa. Donc là, je viens de réutiliser toutes mes balles. C'est agréable de fou, les gars. Là, du coup, on peut prendre ça. Enfin, bah non, du coup, on va mettre ça. On ouvre cette porte. Hein ? Je suis con. Et la golden. Vraiment, ma voix, c'est plus possible. J'espère bientôt je pourrai parler à nouveau parce que là je suis obligé de parler tout bas, frère, pour qu'on m'excuse, pour qu'on m'écoute. Je fais quoi là? Ah oui. Donc là j'enlève ça et je remets la l'argentée. Non pas celle-là. L'argentée. Ok. Plus qu'un à trouver. Ah, vraiment là c'est la galère, frère, à chaque fois les fights là. Salut, genre. L'étrangère. Ça fait trop peur ce bâtard. C'est quoi ça? Vas-y, vas-y, je le fais jamais. Bienvenue. Ça. Alors, qu'est-ce que t'achètes? Bah, je vais te vendre un petit peu des trucs genre ça. Mais en fait, tu vas te faire enculer, c'est tout ce que une je te vends. Bien conclu. Ouais, bien conclu. Tu vas me réparer mon couteau, mon gars. Hein. Rien de plus facile. T'as que 9% de trophées sur le jeu, en vrai. Ça va citer si c'est ta première partie. Modeler une arme pour répondre à tes besoins. Oh, y a-t-il quelque chose de plus beau? En vrai de vrai, le pompe ça sert à rien de l'améliorer parce qu'il one shot déjà les ennemis chiants, en fait. Donc en vrai ça fait du 15, ça c'est trop fort. Ouais, j'hésite à améliorer le couteau, frère. J'hésite vraiment à améliorer le couteau. Et t'as acheté le jeu il y a un mois. En vrai, je vais rien faire. Et en arme, du coup, il y a toujours ouais, le Red 9 et... Cross de Red 9. C'est quoi, je vais l'acheter. Et je vais acheter sa cross aussi. Je m'accroupis devant lui pour lui dire... mon pote. Ok, du coup là, est-ce que je peux vendre mon gun de base? J'ai tout un tas de choses très intéressantes. Genre l'huile, du coup. Une affaire bien concrète. Voilà. Du coup, hop, on va mettre lui du coup en 1 maintenant. Voilà. Et du coup. Lol. C'est trop drôle que tu mettes une crosse sur un petit fusil. C'est un petit pistolet, c'est trop drôle. Par contre, c'est d'accord, c'est des balles de...
Genre, c'est les mêmes balles que le pistolet que je viens de vendre, là, quand même. Ok, Louis. C'est Louis. Et de deux. Le dernier est dans une salle accessible depuis les remparts. Apporte-moi tout ça en haut de la muraille. Et je te donnerai ton arbre. Oh. Et j'ai aussi récupéré quelques infos sur ce caillou. Je te les envoie. Pourquoi il est passé en Dark Sasuke, là, Louis? Je te les envoie. Genre, il parle... Il s'est mis à parler, frère, il s'est dit, ça y est, en fait, je pense qu'elle aime pas les gars qui font les rigolos. Merde, les gars sérieux, tu vois. Il dit, du coup, maintenant, je vais devenir sérieux, tu vois. Je peux même pas faire sa voix parce que j'ai mal à la voix, mais vous avez compris le message. Déverrouillage. Verrouille, frère. Mais on n'a pas de truc pour le... Pour le combler, genre, pour faire des fusions et tout. Je suppose qu'il faut aller. Pas ma faute, j'ai acheté le jeu quand il est sorti en tant que fan de Resident Evil, c'est logique. Il a dit quoi, Luis? Non. Bah ouais, c'est lui qui a la clé. Bah ouais, il a retiré la clé, frère. Tu pouvais pas juste me laisser passer. Bah ouais, il est trop chiant. Oh, il y a une grenade aveuglante. Je vais t'enculer, frère. Oui, c'est vrai que lui, son but, c'est de se barrer, ouais. Il va pas se barrer, frère. Vas-y, bah les couilles. Moi, je veux ce mec rouge, là. Il est parti où? Il est là. Genre, il m'a touché, j'étais derrière lui. Il est résistant, le bazar. Hein. Il est parti où? Et il va trop vite, frère. Mais regarde-le! Regarde la speed du type, frère. Il va trop vite. Il est mort. Ok, c'est bon. Allez, nique ta race, frère. C'est ciao. Et c'est où déjà qu'on doit aller? C'est où la porte? C'est là-haut. Donc, c'est là qu'on doit aller. On doit aller. Et là on fait juste une ligne droite à chaque fois. Non attends. Hein, putain, c'est où qu'on doit... C'est où qu'on passe? Dis-moi, on peut sauter. On peut pas sauter, nice. On peut pas juste utiliser le grappin là, genre. Lequel utilise sur des vieux trucs en bois. Nul à chier. Par contre, elle peut pas l'utiliser sur directement pour aller à la porte. Bon, laisse-moi, frère. Tu pues la merde, voilà. Un random, frère. Moi, je suis le main character. Ah, on peut là, attends. On pouvait. Déjà, je vais me soigner parce que je sens que je vais utiliser le grappin. Ça va m'attraper. Ah, je peux pas, j'ai pas de soin. Nice. Je suis mort. Je vais devoir rebattre le mec rouge, frère. Mais en fait, là, dans mon inventaire, j'ai rien tout le temps. C'est trop chiant. Je te jure, avec Léon, tu sais, j'avais des balles, j'avais... genre j'avais des balles, j'avais des trucs. Là, frère, je n'ai jamais rien dans mon inventaire. Tout le temps, j'ai pas de soins. Tout le temps, j'ai pas de balles. Je suis obligé de tirer avec un vieux pistolet Red 9 alors que... Oh,
Tu cours ma foule très très vite, mec. Mais j'ai quand même t'enculé. Donc là, il est en haut du truc, normalement. S'il fait le même chemin. Ah, voilà, il est là. Hop, je vais l'accueillir en bas. Ok, il est mort. Ok, ça va, on l'a tué assez vite là. Ah, mais l'escalier était là pour monter. Putain, j'ai envie de crever. Il y a des trucs là. Oui, je suis collé, pourquoi il est tombé? Attends, il n'y avait pas des trucs là sur les côtés, genre là. Ouais, je vais te tuer, frère. Et puer la merde. Et ouais, je fais quoi? Il fait. Il bouge encore son cadavre. Il me manque un trophée sur Separated Way professionnel. Professionnel S+, c'est pour ça que j'ai rage kit le jeu, je pense. Bah, Loni, il a rage kit le gros nul. S, Loni. Oh non, mes frères. Sa patate, elle était timide, hein. Il faut faire eux, frère. Lui, avec sa grosse foule, là, il se prend pour qui? Il s'est dit I'm death. Vraiment. Allez, mets la clé, rentre là-dedans, qu'on n'en parle plus de ses fils de. Voilà. Oh, tu me suis pas à l'intérieur. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, partez, parce que là, vous. Vous commenciez à me casser les couilles, genre. Wesh. Attends, en vrai... Attends, en vrai, je vais tuer lui. Parce que ça se trouve, il va peut-être me donner genre du soin ou quoi. Ouais, je vais farm sur eux un peu. Voilà. Il... Ah d'accord. Il met deux mêlées, frère. Il est mort, là. Ok, herbe verte, nice. Exactement pour ça que j'ai fait ça de base. Ok, du coup. Il y a d'autres concurrents, non c'est bon, ils sont tous partis. Alors. Le live est fluide pour vous les gars. Hein. De toute façon, je vois le retour et ouais. On pourra se faire un truc qui améliore encore notre vie. Mais je vais attendre d'avoir une autre herbe. On a encore quelque chose à régler tous les deux. Big cocktail. Non mais il y a encore le gros troll là. Il est relou, frère, il revient tout le temps lui. Wesh, la cinématique elle était effrayante. Pourquoi par contre frère les développeurs oh. OS cœur, frère, il va nous caler un double dash avec la Huctech, frère. Petit assistant cause une belle pagaille. Tout se passera comme prévu. Encore faut-il que tu gardes ton chien sous contrôle. Il est utile et prévisible. Bien, tu peux le garder. Mais ne viens pas pleurer si tu te fais mordre. OS cœur qui utilise des métaphores bien à lui. Non, mais il y a encore un mec rouge, il est chiant. Oh, il s'est fait choper, frère. Il me casse les couilles, Louis. En fait, Louis, on l'adore, mais on le déteste en même temps, tu vois. Léon, t'as laissé tomber? J'imagine que non. Alors, j'ai une info pour toi. Quelque chose d'important se prépare dans la salle du trône. Dur, le babysitting, hein? Ah non, c'était Ashley, putain, j'ai cru que c'était Louis. Bon, elle est sympa, elle lui donne des infos quand même. Genre, moi, j'aurais vu ça. Enfin, j'aurais vu ça, j'aurais fait. Ouais, bon. Vas-y, va trouver tout seul, hein. Elle prend son élan, hein, vraiment, pour sauter. Un élan vraiment. Je peux même pas faire la vague. Tenue chevalier la meilleure. Quoi, Léon, il a une tenue chevalier? 3 skins sur Ada.
Tenue Resident Evil 2, tenue R4 de base, skin Louise de base, Wesker en costard, Léon en Resident Evil 2, skin mafia, veste sans veste, Ashley pull, sans pull, tenue chevalier. Parce que Ashley, elle a une tenue chevalier. Mais lol. Et bah oui, parce que c'est pas avec elle que... C'est pas elle qui avait fait le truc des chevaliers là pour la première fois. Je crois que si, justement, c'est pour ça. Acheter une chevalier, elle peut pas s'apporter ni tuer. Oh, c'est broken. Et ça, en vrai, ça, genre, c'est les speedrunners qui utilisent, genre, cette tenue-là, en vrai. Ça doit être la salle de collection. Parce que du coup, tu sais, t'avances, tu t'occupes pas d'Ashley. Il y a un code. Ah bah attends, il faut regarder. Bah. Moi, je dirais papillon. Papillon, scarabée. Mais il y a deux papillons et deux scarabées. Il n'y a que trois. Je crois. Hein. Le responsable de la collection est vraiment comme un chef. Toujours dans le même ordre. Je me demande ce qu'il peut bien trouver à ces trois spécimens. Intéressant. Donc il y a un crocodiles. Attends, déjà il faut trouver de où il démarre, le gars. J'imagine, voilà, il démarre de là. Il entre là-dedans, il fait ses petits pas, tranquille. Il s'arrête sur les scarabées. Ok, donc scarabées. Ensuite, attends, il va où là? Ensuite, il va comme ça. Tac, tac, tac. Il s'arrête sur le crâne d'un cerf, ouais. Et ensuite, tac, 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 il va là. Et il s'arrête sur le crocodile. Donc c'est scarabée. Crocodile. Voilà, tête de crâne et crocodile. Hein? Ah, ça plutôt. Papillon bleu. Et la boss de fin de chapitre. Même pas? Putain. Oh, je pensais y avoir trois boss pour les trois ingrédients. Y a rien eu, frère. Incroyable. Et moi, j'ai exactement ce que tu veux. Putain, Louis le boss. Oh. Ça, c'est pas bon. Le parasite réagit à l'ambre. C'est ça, l'ambre. Tout à fait le genre de truc que Wesker recherche. Ouais, fais ton ingrédient direct là, mec, s'il te plaît. Quand tu finis le jeu une fois. Surtout c'est trop cheat quand tu fais la partie de Ashley avec les chevaliers, t'as même plus peur. Ça va endormir le parasite. Du moins pour un temps. T'es prête? À tout salon. Oui, il y a du plomb dans le cou, frère. Oublie pas. C'est pas un remède. Va falloir virer cette chose de ton corps. Oh non, il y a le mec qui fait des illusions, là. Oh, il arrive. Lui, il est trop chiant, frère. Avec ses illusions de con, là. T'auras qu'à me redonner cette foutue pierre. Je peux pas te laisser. Pas dans cet état. T'en fais.
fais pas, ça ira. T'as une autre promesse à tenir. Ok, mais tu me rejoins dès que t'as fini. Yes, bah en fait yes non. Parce que du coup là ça veut dire prochain chapitre on est accueilli par un boss fight frère. Putain. Oh ça casse les couilles. Ouah. Ouh putain. C'est pas un boss fight. Ok nice. Bah du coup vas-y on va continuer un petit peu. Parce que j'allais dire, si c'est un boss fight, frère, je suis mort, je n'ai rien, j'ai plus de balles, j'ai plus rien, frère. Si c'est un boss fight, j'étais mort. Vraiment. J'habite 5 ou 6. Ah, j'ai cru qu'en fait il pouvait détecter que les gens qui avaient le... Ouais c'est ça en fait. Oh, c'est ça, il peut détecter que les gens qui ont le virus. En fait là il va juste s'en battre les couilles de nous, non? C'est quoi le pyro... C'est un pyrodactyle le frère, c'est quoi? Bah nice. Louis, mais on l'a évité. Je dois la rejoindre. Les empreintes de Louis. Il est allé par là, on dirait. Bah mais comment il a fait ? Mais quoi du coup? Ouais désolé j'ai eu un appel. T'inquiète c'est pas grave hein. Ah mais y'a une putain. Oh l'abruti frère. Il a sauté. Il a sauté, il est passé à travers les barreaux. Attends mais c'est... C'est pas Louis, c'est un ghost. Attends, on a eu des balles de tout, attends. Charge. Charge. Et on recharge. Du coup, il a fait quoi là? Faut tirer sur quelque chose? Le levier est là, mais du coup, comment on fait pour passer? Ah, il y a un truc là. Non, c'est. Une échelle, je suis con. Je suis con. Je suis un gros con, frère. Oh, il y a des flèches explosives. Let's go, on va pouvoir recharger notre. Notre arc. Ça va, là on se remet bien en vrai en munitions, mais du coup attends. Ah, on peut ouvrir ça. Ah ok. En gros le levier il ferme la porte en haut et il ouvre la porte en bas. Donc là en gros ça va être fermé là ce qu'on va faire. Voilà ça va être fermé. Du coup là en bas ça va être ouvert.
J'ai rien compris aussi, c'est peut-être, peut-être possible. Si tu tires dessus, ça fait rien. Y'a pas un autre levier, genre. Ah, mais non, bah oui, on peut. Il y a des messages sur lui. Net et sans bavure. Ok, j'ai l'impression que le Renan il fait quand même plus mal. Hein. Genre lui on l'a tué en une balle, un coup. Oh couronne, ça va être bien ça. Oh on va se mettre bien en thune. Okay, donc là il nous faut la porte soleil. Et du coup là il y a la porte lune. Mais du coup là-dedans on peut pas y aller autrement que par la porte. Ah mais non mais la porte soleil en fait c'est le... D'accord en fait. On peut remonter ou pas? Ok. C'est la porte soleil. Donc là, il y a la porte lune. Mais vu qu'on peut monter et redescendre. Mais je suis débile en fait. J'ai remarqué, je suis juste con. Ah bah non, parce que du coup, si on fait le levier, on pourra plus passer là. Eh, je comprends rien, c'est en train de me. Oh, l'énigme, frère. Attends, du coup, si je ferme ça. Donc ça, c'est fermé. Je redescends en bas. Ça, c'est fermé. Et il n'y a pas d'autre truc ici à faire. Du coup, là, c'est fermé. Là, c'est un cul-de-sac. Je suis bloqué de zinzin. Ah attends, y'a un truc là. Non mais c'est une fenêtre. Putain, dans la vraie vie, si je suis dans le château, comment je suis mort? Franchement, Loni, excuse-nous. Non mais excuse-nous d'être des prolétaires, Loni. Hein. Je suis vraiment désolé. Donc là, j'ai mis la porte lune. Donc là, si je descends en bas... Ça c'est ouvert. Est-ce qu'il y aurait pas un levier là-dedans? Il y a un levier ici. Mais oui, mais je suis trop con, frère. L'intelligence du gars, frère. C'est... Pff. C'était sûr qu'il y avait un levier ici en fait, parce que sinon on pouvait plus rien faire. On descend. Voilà, Louis, il est parti là en fait. C'est quoi ça? Ada, j'espère que c'est toi qui dis ça. Je vais descendre dans la mine pour essayer de retrouver Léon. Si j'en crois ce qu'a dit Ramon. On peut y aller en passant par le canal, c'est dangereux et un peu labyrinthique, mais je laisse des indications pour te guider. Ah, Louis, mais quel boss, Louis. Comment il a fait pour descendre, lui? Comment il a fait pour descendre? Il y a plein de trous dans les escaliers. This way. Ouais, j'ai tout ça en même temps que les chauves-souris, du coup ça m'a pas fait peur. Eh ben, ça promet pour la suite. Il y a... Ouais, il y a plein de merde au sol. Hein. Il y a un mec. C'est fermé. Sniper.
carasse, toi. Petite carasse. Oh putain! Viens là, toi, le dernier là. Il est pas mort! Vraiment, une balle de snipe, tu meurs, non? Merde, il va se transformer, Vite, couteau. Ok, c'est bon. Par contre, lui, il est chiant. Bombe aveuglante, on n'a pas, nice. On va crafter. Il est chiant. Ah non, quoique, une balle de pompe, il est mort, non? Oh putain, je me prends le coup. Il est pas mort? Il est pas mort? Donc d'un chapitre à l'autre, il gagne 200 HP entre temps, je comprends pas. Je ne comprends pas. Les sources de lumière. Espèce de gros enculé, frère. Genre. Des nids? Eh ben, ça promet pour la suite. Ah, mais c'est. Ok. C'est les nids des insectes bizarres, en fait. Tu sais quoi, j'ai tiré dessus. J'aurais dû faire ça. Parce qu'en vrai, il est pas très résistant en fait. Pourquoi je lui ai mis 2 balles de pompe et il est pas mort? C'est trop bizarre. Bah tu vois, je veux bien que le pont ce soit pas non plus trop cheat et tout, mais... Le coup d'avant, frère, les mêmes monstres, je leur mettais une balle de pompe, ils étaient morts. J'ai gagné ma vie, ma mère, j'ai Chicago. Hein, qu'est-ce qui me raconte lui, Lenny? C'est fermé. Il y a le marchand. Splish splash. Il est si peu drôle, Louis. Splish splash qui. Oh! J'y vais, go. Ok, donc quand il tombe dans l'eau, il meurt instant. Donc ouais, en fait, Louis, c'est un malade, en fait. Je t'ai mis quelques... Bienvenue. J'ai encore d'autres bricoles. Ah oui, couronne, attends. Si tu veux. Ah. Couronne, il faut qu'on s'en occupe. Alors, c'est quoi déjà la meilleure... Comment tu vois genre la meilleure combinaison de trucs déjà? Ah oui, shift. Shift, enculé. Et alors? Ouais, la meilleure combinaison c'est couleurs différentes à chaque fois. Ah bah c'est bon, on peut le faire, on peut le faire. Bim. Genre validé, ok. Bim. Et... Bim. Bim. Et bim. On a le truc le plus cher de... 100 000 frère, il vaut 100 000 le truc. Waouh. Bienvenue. On va se mettre bien. Et hop, 100 000 monsieur, c'est pour toi. Je suis prêt à payer un bon prix pour ça. Alors c'est quoi ça? Ma marchandise est en parfait état. Je te le promets. Dans une mallette, on prend. Tiens, étrangère. Puis après, tout le reste. Cross de. Ça, c'est le truc de la mitraillette. Ouais, en vrai, on va pas prendre en vrai la mitraillette. Ça, c'est corps à corps. T'as pas besoin de précision. À ton argent ou à la vie? Sur le Punisher MC. Il fait quoi? Il fait moins mal que notre arme de base. Donc, on va certainement pas le prendre, frère. Ça c'est quoi? Ah oui, c'est le truc automatique, il fait du 3. Et il est en rafale, non? J'ai jamais su si c'était bien de le prendre lui. On va prendre ça. Tu sais, j'ai pas toujours ça en stock, étrangère. Est-ce que ça se fait bonne route? Attends, le couteau. Bien couteau, fait. Je crois qu'il est cassé. Un couteau a besoin qu'on s'en occupe.
La vie ne tient parfois qu'à une lame. On commence à bien cerner tes préférences. J'espère te revoir bientôt. On commence à bien cerner tes préférences, qui disent bâtard. Ok. Oh, j'aime pas avoir, par contre, tu vois, j'aime bien le jeu, mais la musique quand tu sauvegardes, genre, elle ne va pas du tout avec l'ambiance du jeu. Genre, c'est quoi, c'est quoi, mec? Eh, il est trop fort le Red 9 en fait. Frère, je viens de one shot le mob alors que normalement, tu sais, il lui faut au moins 2-3 balles, je crois. Mais regarde, une balle, il meurt. Ouais, ben, sniper. Il est relou, frère. Il m'a saoulé, hein. Je me suis dit, vas-y, on va essayer de jouer bien avec lui et tout. Faut que je te vois pas, toi. Ah, il se baisse. Oui, il est trop intelligent. Bon, il se baisse, mais que 2 secondes. Alors, là, il y a une chaufferie. On va maintenir. Ouais, en vrai, je trouve que Resident Evil, c'est quand même des jeux qui sont bien, en vrai. Genre, il y a une ambiance et tout, il y a une ambiance où j'aime bien. Je sais, il y en a, ils détestent, par exemple, j'ai un pote, enfin, je vous ai déjà parlé de lui, Adam, dit que, par exemple, il pourrait pas faire ça parce que, tu sais, lui, il veut toujours aller vite et tout. Et que, tu sais, c'est un jeu où il faut que tu prennes ton temps et tout, faut que t'admires, tu vois, un peu. Tu t'intéresses à l'histoire et tout. Ouais, les jeux comme ça, j'aime bien. Ça rapporte un max de thunes, je pense. Juste pour qu'il me faire chier. Lui, il est pas mort. Hein. Ah, si, c'est lui que j'ai tué à distance. Ah, oui, ils sont plus résistants déjà. Mais eux, ils sont déjà plus résistants. C'est quoi, toi, sniper? Ah, tu tires bien, hein. Ouais, mieux que moi. L'idiot, frère. L'idiot. Genre, déjà, en fait, je me suis pris la flèche du gars, déjà. Tu sais, j'aurais pu juste lui tirer avec le gun, mais non, je me suis dit... On va tirer aux pompes, parce qu'on est trop fort. On est des gars trop chauds, nous. Ouvre ça. Là, il va y avoir les insectes. Mais meurs toi, frère, il faut 10 balles lui. Il y a toujours le mec dans l'eau, je l'avais oublié lui. Ah putain, ça me fait trop mal à la gorge quand je tousse. Bon, le mec dans l'eau, en vrai, il peut pas nous toucher là, donc on va le laisser. C'est pas de là d'où je viens, ça? Je me souviens plus, je sais plus où je suis. C'est fermé. On va passer par... Mais non, mais là, c'est de là où je viens. Oui, c'est de là où je viens, mais je suis con. Faut que je fasse quoi, en fait, là, du coup? Là, il y avait le marchand.
Des voisins, c'est pour remonter. Wesh. On voit leurs petits yeux là dans l'eau. Louis, c'est un enculé, frère. Comment il est pas mort? Puis déjà, en fait, j'ai pas de vie. Attends, voilà. Déjà, je commence, j'ai pas de vie. Donc, on va se mettre de la vie, tu sais quoi? Voilà. Là, tu vois, on commence le jeu, on a pas de vie. Et on les voit pas, frère. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Donc, je suis mort. Attends, mais je... Je comprends rien, là. Vraiment, je ne comprends pas ce qu'il veut faire. Déjà, vas-y, je suis sympa, je t'indique où est-ce qu'il faut aller et tout. Mon cul, fils de pute, il a mis une flèche. Meurs vite par contre, merci. Quel fils de pute. En fait, ce qui m'énerve, c'est de galérer à un endroit, tu sais, genre... personne ne galère, tu vois. Genre, c'est vraiment un endroit de merde ici, tu vois. C'est pas censé être dur. Mais frère, déjà, il m'attaque, je suis en train de montrer une échelle, frère. Ah, frère, c'est frère mon... Ah, mon shoot, frère, il est exécrable, exécrable. Je préfère tout de même vous le redire au cas où, mais Louis, c'est un gros enculé. Hein. Je sais pas si je l'ai dit, mais... On reprend ça. Loni, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il faut faire là? Parce que... Et là, on revient là. Mais en fait, je comprends pas. Il faut faire quoi? Il faut vraiment aller dans l'eau? Il faut juste pas crever? Une vipère, Adam. Prends là, par contre. Ok, c'est bon, ils sont morts, ces fils d'œil. Allez, c'est quoi, j'ai pas envie de te combattre, mec. Grenade aveuglante. 7. Allez, tu meurs, c'est ciao. Non, parce que j'avais même pas remarqué qu'il était là, lui. C'est bien de l'avoir tué. Ok, flèche explosive, ça c'est cool. Donc lui, ça, on nous indique le chemin, mais... Mais voilà, après, tu vas te faire enculer. Hein. Un mec là. Il est mort. Donc, lui, cela, tu vois, une flèche aurait été
Une flèche, ça aurait été cool, Louis. Spoil, après tu sors du tunnel, il y a un Garados ou deux selon la difficulté. Ok, à mon avis, c'est là parce qu'il n'y a plus beaucoup de musique, donc à mon avis, c'est là. Presque là. En fait, il pouvait pas, c'est juste merci être. Pour les indications, Louis. Il pouvait pas. Il pouvait pas juste mettre. Ah ouais, putain, c'est une zone de boss fight. Putain, sa mère. Allez, c'est parti, envoyez le boss. Ah, c'est le mec comme ça, ça va. Oh non, mais il y a des gardes en plus. Oh, je l'avais pas vu lui. Ce prix découpe le gars. Ok, nice, il l'a tué pour moi, ça c'est bien cool mec, je t'en remercie. Mais par contre, il entend la source des balles, frère. C'est un malade mental ce type. Oh la vache! Oh sa mère, il m'encule. Il m'encule sa mère. Il m'a enclenché frère, il m'a déclenché carrément. Ah mais j'ai un truc de premier secours, attends. En fait ce qui est chiant c'est d'avoir des autres gars en camp. Merde, je croyais qu'il allait à la caisse, moi. Non, il m'a tué comme ça. Ah non. Wesh, wesh, wesh. Wesh, il se passe quoi, là? Ok, il a tué le mec pour moi. Ok, il tue tout le monde pour moi, ça c'est vraiment cool, mec, tu régales. Par contre, ça va être chaud à battre, hein. Arbalète, il a une protection. J'avoue. Et ben voilà, l'arbalète, meilleure arme du jeu. Non, tu vas bien mon gars? Bah t'as moitié bugué. Bah oui, tiens, je te fais un petit câlin. Allez, petit câlin. C'est trop EZ, mec. Le EZ en question. Bah, il m'a enculé. Non, en vrai, ces mobs-là, en fait, j'en avais peur au début. Mais je te jure qu'en vrai, ils sont trop simples à battre. Genre, vraiment. Genre là, en fait t'as juste à courir un peu et tu les esquives. Et en plus le pire c'est que là tu vois ils mettaient des gardes et tout en plus pour te... Pour tu sais en mode te faire chier en plus, donc en fait ils les enculaient pour moi limite donc Parce que vu qu'en fait j'étais tout le temps contact aux gardes. Et ben à chaque fois genre pour quand il faisait ses mouvements là il est buté. Le mec est plus utile en fait. Genre j'aimerais bien l'avoir tout le temps ce gars tu vois. Pour les boss et tout tu vois. Il arrive il fait ton boss tout. C'est bon, petit ascenseur et tout. Ascenseur Minecraft avec des pistons. Piston collant et miel, attention c'est parti.
Il est fluide l'ascenseur, il a mis un mode. C'est lui qui joue 3 Minecraft. Encore. Bon, skip dehors, ça s'excite, hein. Ça fait une soirée sans moi. Putain, vaincre la créature en robe noire, donc c'est là ce chapitre, c'est ce chapitre là qu'on va devoir. Il y a le marchand qui est là. Ça va prendre un petit lance-roquette, hein. Ah non, maintenant, attends. J'ai envie de voir. D'abord, on va sauvegarder. La pause est finie, je suppose. Oula. Ok, donc là déjà, on va faire... Tac. Tac. Vipère, c'est quoi? Regardez de la vie. On utilise. Le couteau, il est en bon état. On a une lunette qui n'est pas utilisée. C'est quoi ça? Lunette avec biocapteur. Ah oui, c'est... Ah oui, d'accord. Ah mais attends, ça peut être bien en vrai. En vrai, de vrai, ça peut être bien parce que du coup, tu peux localiser les points faibles. Donc ça, en vrai, ça peut être bien. On va l'équiper. Et puis après, en vrai, on a un inventaire, il est bien fourni pour une fois. Moi, je disais, ouais, mon inventaire, il est jamais plein et tout. Non, en vrai, ça va. On recharge tout. On va recharger ça. Et après, on recharge l'arbalète. Ouais, c'est 5 l'arbalète. c'est moi, le mec, quand j'ai sorti l'arbalète, il a fait, oh, en mode, tiens, tu me la donnerais, mec, tu me la donnes, s'il te plaît. J'ai tout un tas de choses très intéressantes à vendre. Une affaire bien conclue. Modifier le couteau. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. T'es sûr? En vrai, j'ai une idée. En mode vois, là, c'est tout ce que j'ai. Là, on va améliorer de à mort nos armes et on va pas sauvegarder. Comme ça, si on meurt, on peut recharger la partie avant le marchand. Et comme ça, on peut prendre le lance-roquette. Parce que du coup, là, à mon avis, je vais pas avoir assez si j'améliore. Il y a le boss fight après, ouais, c'est bien ce que je pensais, ouais. Donc, on va améliorer nos armes, là. On va s'améliorer le pompe. On va améliorer lui. Ça, en vrai, on s'en fout parce que je vais principalement utiliser... Si, ça, en vrai, si. Ça, par contre, on va bien l'améliorer, tu vois. Ça, on va améliorer ça aussi. Ça, j'ai pas. Je crains que nous ne puissions faire un... Dommage, putain, j'aurais dû améliorer ça en vrai. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Non, mais casse-toi, bon fils de pute. Ça fait qu'il est trop violent. Allez, c'est parti. Peut-être des grenades aveuglantes. Bon, en vrai, non, c'est pas un boss. Il va être ici le boss fight. Sur le. Ah non, non, il va être au sol. Et c'est maintenant. Il faut que j'abatte cette créature. Il est au-dessus. Avec ses petits doigts là. Petits doigts de méchant. Là. Ses petits doigts. Pas petits, ses doigts. C'est ça. Amène-toi. Voilà. Ici, ça ira. Bah voilà. Ce gars là il va... C'est lui qui a deux phases. Ah, je comprends pourquoi t'avais une robe. Ah. Je supporte pas qu'on colle. Il est temps qu'on en finisse. Ah, il est trop moche. Wesh, il fait quoi? Il fait quoi?
Plus de balles. Plus de balles. Oh non. C'est quoi ça? Ok. Recharge. À mon tour. F pour mêler. Là, je suis con. Tu fais pas d'effort. Elle parle à qui là? À moi ou au gars? Ok. Ah, non, pour le fusil à pompe. Wesh. Ok, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Ok. Putain, mais c'est des grenades en fait, je crois. Aïe. Ah oui, mais ça me fait des dégâts qu'à moi en fait. Plus de balles. On va repasser sur le Red 9. Il m'a rechopé. Putain, l'enfoiré. Mais ta mère, frère. Petit soin. Voilà. Quand il meurt. Ok, nice. Et c'est ça, je me disais. Au moment où je commence à me dire ça fait long. En vrai, le jeu il est bien timé quand même. Quand tu dis oh, je commence à me faire chier, au final c'est fini. Bon, là il va se réveiller. Voilà. Ah. Le serpent maléfique. Oh non, mais il se met sous la terre. Ah, il faut tirer dans le truc orange, j'imagine. Il faut quand même bien viser, hein. Ok, je vais toucher la queue. Ouh, oula, oula. Ok, il peut te foncer dessus. Ok, d'accord. Oh, attends. Tu peux le frapper ou pas là? Dommage. Il va réapparaître où? Il fait quoi? Ouais, c'est quoi ce truc là? Il me saute dessus et tout? J'ai presque plus de balles déjà, putain. Arbalète. Oh non, sniper. Là, je l'ai pas touché. Wesh, pourquoi il y a des trucs comme ça? Oh putain. Oh, j'ai plus rien, sa mère. On va se soin. Tu sais quoi? Non, on va attendre d'être bien au rouge, tu vois. Non, on va pas prendre ça pour eux. Ok, là, on soigne. Ok.
Vas-y, vas-y. Faut qu'on reprenne des balles là. Toujours là. Il est où? Ok, il retourne sous la terre. Putain, je suis en train de recharger, putain. Je l'ai tué. J'ai esquivé. Il est où? Wesh, quoi? C'est quoi qui m'a fait ça? Ah, il lance des trucs. Mais je tire dessus, là. Plus de balles, plus de balles. Ah, mais il y a des petits trucs explosifs, j'avais pas vu. Il me faut des balles, il me faut des balles. Ok, il retire des petits trucs explosifs. Oh, il me fonce dessus, frère. Frère, bon, je fais aucun effort. Je fais aucun effort, frère. Putain, sa mère, il en met partout, il en met partout. Il en met partout. Utiliser. Bon, j'arrive pas à lui toucher la queue, c'est aberrant. Ok, nice. Viens là, enculé. Ok. On le fume, on le fume. Hein. On est clairement en train de le fumer. Hein. C'est quoi ce gameplay de Golem? Mais pas du tout, frère. Voilà, frère, voilà. Le gameplay de Golem, frère. Il est mort, le gros, la grosse merde, frère. Je l'ai enculé, frère. Quoi, elle est enceinte? Qui a rien compris, c'est. Ah! Ah, bah attends, elle a expulsé le parasite en vrai, du coup, ça veut dire. Bon, il faut que je retrouve Louis. Attends, il reste pas des trucs? L'ambre, Louis. Il est où? Merci de m'avoir aidé à me racheter. Mais qu'est-ce que tu dis? Merci, Adam. Faut aller où? Tu sais, au fond, c'est cool d'être un bon samaritain. Essaie d'aider Léon quand je serai plus là, ok? Tiens, justement. On dirait qu'il a besoin de moi. Ouais, c'est la mort de Louis. Putain. Bon, il nous aura pas donné l'ambre, mais il nous aura un peu soigné, quoi. Il aura pas été complètement inutile. Je vais où, là? Ah. Ok. On va recharger toutes les armes, hein. On recharge ça. On recharge ça. On recharge. Bah, tout est chargé, sinon après. Vas-y. Tu vas? Pourquoi je peux pas? Ah, je peux là.
Petite caverne et tout, ok. Petit mineshaft. Ah, et puis c'est là qu'ils sont, ouais. Krauser le bâtard, frère. Louis, les adieux devront attendre. Hein? Ah oui, ah, elle fait directement ça. Il y a un télésiège dans son château à lui. C'est Ashley. C'est Krauser Calambre. Elle s'en balèque qui meurt. Mais elle a dit que les adieux devront attendre. Mais ça se trouve après elle chialera, hein. On sait pas. Léon. J'ai vraiment pas le temps de répéter, alors écoute-moi bien. Ton ami est au sommet de la tour de l'horloge. Si tu fais vite, tu arriveras peut-être avant qu'elle ne devienne l'une des leurs. Ah bah t'as quand même un cœur. J'imagine que je devrais être remercié. Ça me fume quand elle parle un truc genre... Ouais, tu devrais. C'est genre... Personne ne fait ça genre. Elle fait... tu devrais faire attention, c'est genre... Je sais pas, c'est bizarre de parler comme ça au téléphone genre. Bah tu parles comme ça. Et tu restes neutre, genre... Ah oui, mais il y a une caméra, c'est vrai. Pourquoi il y a une musique stressante en mode il va se passer un truc de fou là? Parce que moi là, j'attends juste un truc de sauvegarde pour sauvegarder le boss qu'on vient de faire. Hein. C'est tout ce que j'attends moi. Hein. Musique là d'agent secret. Ok. Pressé, hein. Comment il peut déjà être là-bas? Bah frère, c'est un monstre. Il y a encore un matard là. Ouais, eux mon gars, c'est pas des agents secrets. Hein. Normalement elle meurt. Quoi? Mais frère, mais j'ai amélioré mon Red 9 il y a 10 secondes. Tu meurs là. Voilà, merci. Hein. Ouais, j'ai amélioré mon pistolet. Parce que ça sert à rien d'améliorer son pistolet dans le jeu parce que les ennemis vu qu'ils évoluent au fur et à mesure. En fait genre tu les bats pas plus vite en fait. Donc, comment il a fait? Ah ok, attends, faut que je descende. Heureusement qu'il n'y a pas de compte. Enfin de compte à rebours hein, parce que. Léon lui a fait un compliment, elle a souri, c'est rare qu'elle sourie en vrai. C'est que avec Léon qu'elle sourit. Ah frère, c'est bon. Ouais. Parce que Léon, c'est un beau gosse aussi. Ouais, c'est un beau gosse. On va dire il est au-dessus de la moyenne. Non, mais frère, casse les couilles. Ils sont plus faciles à battre, j'ai remarqué. Hein. Vraiment. D'ailleurs, juste après R4, ils ont... Ah, c'est là. Non. Et ouais, je comprends, il est... Voilà, la porte est fermée, là, on est d'accord, hein, c'est fermé. Je fais quoi, en fait? Là, je monte, y'a rien. Ah, là-haut! J'ai pas vu qu'il y avait une manuelle. Ah ouais, je suis complètement con. Il va falloir se dépêcher parce que ça va se baisser. En même temps, ouais, c'est ça. Pas le temps, les gars, je suis désolé. Oh le marchand, oh et un pot de sauvegarde, nice. Ok, nice. Je crois en plus Léon et Adam ont eu un gosse, mais Léon le sait pas. C'est quoi?
Pourquoi tu me dis ça, frère? Carrément, j'en quitte le jeu. J'en quitte le jeu, frère. C'est bon pour toi? J'en quitte le jeu. Et ben voilà, les frères, ça aurait été un petit... petite soirée sympa sur Resident Evil 4. Campagne à Dawong. N'empêche que... Jouer au jeu quand il ne bug pas, avec des bons graphismes et tout, c'est quand même bien plaisant. En vrai, je me suis vraiment bien amusé, ce live-là. Donc j'espère que... vous aussi... Clip, ouais, vas-y, on va regarder les clips si tu veux. D'ailleurs, les gars, demain le best-of du mois de septembre qui sort, je sais qu'on a un peu... Ah non, du mois d'octobre. Best-of octobre qui sort, les frères. Donc, voilà. N'hésitez pas. Enfin, n'hésitez pas à aller regarder quand il sortira, parce qu'il n'est pas encore sorti. Il sort... voilà. Il sort demain. Demain, genre 4, entre 4 et 17 heures. Enfin, entre 16 heures et 17 heures. Vas-y, on va regarder les clips, du coup. Je suis content, Boombi, son PC, il... Ok. Et là, Iliana va arriver. Ouais, bah elle a dit qu'elle serait en retard pour le live, donc... La vérité, c'est facile à faire. Oui, c'est des sushis. Oubliez pas le son. Comment ça, le son? Ah oui, le son du... Ouais, attends, hop. Déjà, il faut que je mette... Tac. Putain, ma voix, par contre, gros... Et j'espère vraiment que ça va aller mieux, parce que c'est insupportable, frère. Donc... Capture de fenêtre opéra et son du truc opéra. Donc contenu clip, des clips de qualité. C'est ce qu'on va voir. OMF. Okay. Ah, le gameplay de Golemon, frère, il est mort, la grosse merde. Frère. Oh, je suis content, la rediff elle est fluide, elle est belle et tout. Frère. Je l'ai enculé, frère. Bah attends, je me masque, comme ça tu vois ma réaction. Quoi, elle est enceinte? Qui a rien compris, tu sais. Ah. Oh, la réaction de con, frère. Ah. Vas-y, ensuite la suite. Ah, en fait, t'as clippé tout le fight, en fait. Putain, sa mère, il en met partout. Il en met partout. Utiliser. J'essayais de tirer sur la queue, frère, j'arrivais pas. Bon, je j'arrive puais pas à la merde. La queue, c'est aberrant. Bon, en fait, il faut clipper des trucs intéressants, parce que si t'as clippé, ouais, en fait, il a clippé tout le fight, en fait. Tac. Merde. Ah non, mais c'est parce qu'il y a une cinématique. On se voit là-bas. Ciao. Cour intérieur du château, il a dit. On y va. Là, on y va juste... Ok, d'accord. Les dames d'abord. Trop galant. Alt et F4, ah oui, ok, d'accord. Ok, vas-y, je ferai ça en combat et tout. Je ferai ça en combat, ah oui, c'est le truc. Du Alt F4. On peut obtenir... Ok, j'ai l'encre rouge. L'encre rouge, ouais. Là, ouvrir la porte, il va y avoir Mendes, etc. Enfin, on connaît. Non, là, on l'a tué, Mendes. Enfin, Léon l'a tué. Ah, c'est la fameuse scène. D'accord. On l'a tué, Léon. Non, j'ai dit Léon l'a tué. Il a tué Mendes. Il pue la merde. Eh, je te jure, par contre, sa phase 1, elle okay. Puait sa mère. Je te jure, c'était trop simple. Recharge. F pour mêler. Je l'ai t-bag, frère. Je suis trop chaud, frère. C'est moi le t-bag, frère. Regarde. Hop, t-bag. Je suis trop chaud, frère, je suis trop chaud à ce jeu.
Ah, je me suis pris un petit coup là, mais c'est. Il faut pas le dire, faut pas le dire. Le T-Bag, frère, il est incroyable, le T-Bag. Orange, j'imagine. Il faut quand même bien viser, hein. Ok, je vais toucher la queue. Faut faire attention à cette phrase. Oula, oula, oula. Ada qui t'a mal parlé, oui j'avoue. Fais pas d'effort. Je vais voir si je fais pas d'effort, frère. Mais on a regardé ça. Il en est partout, il en est partout. On va regarder ça. Ok, bah du coup, très sympa, qui vont peut-être se retrouver dans le best-of de janvier, du coup. Mes clips sont bien. Mais il y en a, c'est pas fou, mais il y en a, ouais, c'est bien, en vrai. Du coup, voilà. Donc, les gars, en fait, du coup... après le best-of d'octobre qui arrive, il y aura d'autres vidéos entre-temps, mais il y aura... Le prochain best-of qu'il y aura, ce sera le best-of Halloween, donc de la semaine Halloween. Donc, ce sera peut-être un best-of qui sera un peu plus court, parce qu'il n'y a pas eu tant de clips que ça. Mais j'ai dit à Randy s'il pouvait regarder genre les rediffs de la semaine Halloween et s'il pouvait lui prendre des moments que lui trouvait bien parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de clips en vrai. Donc je lui ai dit qu'il prenne les 7 rediffs. Enfin non, du coup, il n'y en a pas eu 7 exactement, il y en a eu 5 je crois. Il prenne les 5 rediffs et qu'il regarde s'il y a des trucs drôles et tout que vous avez oublié de clip. Du coup, ça fera un truc entre 5 et 10 minutes, un petit best-of Halloween. Après le best-of de décembre, enfin le best-of de novembre... je sais pas s'il y a eu beaucoup de clips, le best-of de novembre, en fait. Je sais plus s'il y a eu beaucoup de clips. Mais le best-of de décembre, on a vu avec Randy qu'il n'y avait pas eu beaucoup de clips. Du coup, en fait, je pense qu'il n'y aura pas de... Il y aura pas de best-of de décembre. Parce que je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de clips, parce que bah, je l'arrivais pas beaucoup de 1. Et de 2, bah... Vous avez pas de clips, quoi. Du coup, le best-of de décembre, il y aura 4... Enfin, il y aura pas, je pense. On va pas faire un best-of de 2 minutes, tu vois. Du coup, je pense qu'il n'y aura pas de best-of de décembre. Par contre, il y aura un best-of de janvier, certainement, je pense, parce qu'il y a quand même pas mal de clips, là, les Tal Company et tout, The Son of the Forest. Donc, je pense que janvier, il y aura un petit truc en janvier. Du coup, merci les gars d'avoir suivi ce petit live. Il aura été fort sympathique sur Resident Evil 4. On se retrouve, la semaine prochaine pour continuer. Là, je suis chaud, ouais. J'ai envie de continuer. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Du coup, demain, on fera un petit jeu indépendant que je n'ai toujours pas trouvé, mais vous savez que je trouve... En vrai, je vous jure que les jeux du dimanche, je les trouve genre une heure avant le live. Je les installe en 2 minutes parce qu'ils sont généralement pas très lourds. À quoi que peut-être demain, on fera du Lethal Company. Donc, vous verrez, parce que ce sera un jeu d'horreur dans tous les cas. Donc, si vous aimez l'horreur, n'hésitez pas à venir. Sur ce, moi, je m'en vais finir le best-of, la vidéo de demain. Puis voilà. Et on se retrouve demain et non pas deux pieds, lol. Là, t'as cru que c'était bugué, mais en fait, non, c'est juste... Pas bougeant. Je suis malade, j'en ai marre de parler comme ça, frère. Ouais. Ok. Ouais, t'inquiète, je sais ce que je fais, gros. T'inquiète. Ok. T'es posé sur le live Anoué. Ouais. Tu sais toujours pas où t'as mis les pieds. Mais tu sais déjà que tu vas kiffer. Yeah. Même s'il a un peu détraqué. Ok. Tu te demandes.